faut que je change mon épée. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont dit au fait à propos de ça, Tom? Vas-y, ouais. Si tu peux me mentionner au passage, merci. Ah, y a du lag là. We have confirmed the strange signal emanating from today's target. It matches up with Lindo's armlet. It could still be some kind of mistake, but there is a good chance you will face Lindo's killer. It will be a grueling fight, there's no denying that. But after running a number of scenarios, we've determined you can defeat it. Do not be swayed by thoughts of vengeance. If you are to fight this beast, you must do it with caution and strategy. Lindo, finally we have this chance. Finally. Ok, merci Tom. Merci, merci. The unit is now in position and ready to commence combat operations. C'est pas si étonnant, le genre de truc, j'ai envie de te dire. Non, c'est moi, ça me fait plus rien. Que les gens se foutent de la gueule, quoi, c'est un truc un peu geek, quoi, le truc. C'est devenu normal pour moi, en fait. C'est ninja. Après moi, ce n'est du coup, c'est vraiment pas mon, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Que ça avait planté. Reviens là, Pajra. C'est pas normal, que du fait que qu'il devrait faire, mais ouais, c'est devenu commun. Ça, mais là oui, ça m'étonne même plus. Ouais. En même temps, ça m'étonne même plus, genre de truc. Jeux vidéo, ça, jeux vidéo aussi est très, très mal considéré dans les médias ordinaires. Hein. Merci Alissa. Il y avait un truc justement il y a pas longtemps. J'avais entendu parler d'un article justement dans un truc
dans un truc de psychologie ou un truc comme ça, comme quoi ils disent que il y avait des. Ouais, que les jeux vidéo ont des violents. Oui, bah ça aussi je l'ai lu la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est ça? C'était même sur la timeline de Alton. On a parlé lors du Sunday au Sunday l'addition du dimanche quand il était chez Data Reaper. Et mince. On a beaucoup de pertes. Bah, en même temps, Viver, oui, je suis pas étonné. Ta caméra qui fait ce qu'il veut, qu'elle veut. Non, non, oh, j'ai perdu ma charge. Je dois en avoir. Merci Alicia. Aïe, 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 oh. Ouais, on a de la perte. Was my bad. I admit that. Thank you. Trap down and set. Alpha 2 is incapacitated. Oh, just be more careful next time, okay? Mom! Hi! Wait, did I get knocked out? Oh my. Now that's a good meal. You've been in the field for 5 minutes. It's only beginning. Now the real battle begins. This is bad. Alyssa, heal! Heal now! Oh, oh merde. Oui, c'était mon tel qui vibrait. Et t'as des bonnes oreilles, Tom. Bah oui et non. Parce que c'était même marqué dans la jauge en fait d'audio. Donc je sais quand même à quoi ça prend. Mais j'ai rien dit parce que je pensais que c'était mieux. Aussi. Madame, ça serait bien que vous mouriez. Allez, meurs! Madame est morte. Nous sommes sauvés. Mission complete. Please search for an armlet. Did it really get Lendo? We won't know for sure unless we find his armlet. Voilà, c'est bon. Chance he's still alive. Guess we have no choice then, huh? Lendo. Bah ouais, mais aussi le JV c'est pas si. On va dire que c'est pas comparable au niveau des prix aussi, parce qu'un jeu vidéo, généralement, tu paies 70 euros. Une place de ciné, c'est 11 euros. 11-12 euros. Ouais. Donc c'est pas forcément oui. Comparable. Oui, il arrive, oui. Exactement, Tom. Spotlight's on me now. Let's give him one hell of a show.
Depuis le début de la semaine, le site The Yeti qui fait des superbes t-shirts, qui couvrent aussi la GDQ, la SGDQ, voilà, font des oui. t-shirts sur le thème de Super Smash Bros. Bah, temps, là, tout ce qui s'appelle Smash Bros doit se vendre derrière un truc monstre. Hein. Oui. Tout le monde est hypé par le Smash Ultimate. Donc. Smash Bros, c'est une grosse licence Nintendo hein, aujourd'hui. Nintendo! Je crois que les gens qui l'ont acheté, il y a déjà pas mal de. Je crois qu'il est assez haut dans la liste des jeux les plus vendus sur 3DS. 3DS? T'as fumé quoi là? Bah oui, il y a Smash 4 sur 3DS. Oui, mais. Bah, il est assez haut dans les. Oui, oui, j'ai entendu Lucas, c'est comment ça s'appelle? Qui a fait ça? Oh, le Daus Pita. Ou Père Céleste. Au choix. You can't free forever. Ah. One way or another, we will hunt you down. Just wait. Oui, ça oui. Oui, c'était... Mais je sais plus, il y avait une artiste qui avait fait en fait un Kirby avec des gros pieds. Une artiste française. Et en fait, The Yeti lui a pris son idée. Il l'a mis sur des t-shirts il y a deux semaines, deux, trois semaines. Je suis vraiment relieve. Pourquoi? Je pensais que j'avais tout sous contrôle, mais j'ai presque perdu. Deep down, il y a encore une partie de mon cœur qui tient l'espoir que Lindo est vivant. If we find that armlet, part of me will be gone. He'll be gone. In that moment, when he was missing and chose to fight, even though he knew there was no way. I'm scared. Right now, it's nebulous and empty and theories, but something so small could make it real again. Right, right. You just need to pull yourself together. Come on, Sakuya. Elle est encore plus speed qu'avant, Alyssa. Elle vient de ce qui est juste de café. Hein. Bah quoi? Café, c'est le mal. Ouais, le pire. Vajra Shiyu et Shiyu. Ok, double Shiyu. Double Shiyu et un Vajra. Je pense que ça va être... Les filles, mettez des vêtements, s'il vous plaît. Je ne peux plus supporter. Je suis habillée, moi! Mince! Bon, bah, faut que je retourne m'habiller. Ouais. Cet homme, il a dit qu'il fallait que j'aille m'acheter des vêtements. Quel? Bah, Tom, il a dit qu'il fallait que j'aille m'habiller, faut que je mette des vêtements. Il a dit, les filles, mettez des vêtements, s'il vous plaît. Non, faut que j'aille m'habiller. Ah, bah oui, mais... C'est des filles, hein. Bah, je reste, bah oui. Ah, un temps qu'il dit, mettez des vêtements, s'il vous plaît. Mais oui! Les filles, elles étaient à moitié à poil. Ah, faut le dire, à mettre pas de soutif, c'est plus rien, non, c'est conceptuel. Pourquoi on part qu'à deux? Ah oui, pourquoi on part qu'à deux? J'ai dû mettre la mission trop vite avant. Non, peut-être pas, non. Si, c'est bon, je peux en mettre. Non, mais t'as une mission, ça, tu pars que tout seul aussi, hein. Donc c'est pour ça que je demandais pourquoi on partait à deux. J'espère là qu'on partira. Oh, on emmène Chio avec nous, cool.
Mais c'est moi. Je pense que ça sera la dernière mission. Et après, je pense que je vais couper le stream et la vidéo. Puis après, okay. Il va falloir vous substanter. Remplir vos estomacs. Qui doivent crier « J'ai faim !» Puis on verra demain. The transmission is coming in crystal clear. All right, let's give some support. Operation commence. Oh, un Vajra. Follow your lead, Captain. Nailed it. Aïe. Oh putain, j'ai pas acheté. Bien sûr, vous aurez la cinématique après. Elle a une arme chiot. Bah oui, c'est une aragami. Si jeune est déjà si violente. Elle fait comme Alyssa. Je peux voir si je peux les enlever si tu veux, Tom. An origami bond has been shattered. Keep going. This is the pace. I know you can win this. Press the advantage. Do not let them counter. Take it and steal all you. Thank you. Putain, casse le pont. En plus, non, il va. Sakuya, you're in danger. Please disengage. Je peux pas les enlever. Qu'est-ce qu'il y a? Bah. Les voix des personnages de Nerton. Ah. Du coup, j'étais en train de regarder dans les paramètres si je pouvais les enlever. Bah, il est chiant, l'Aragami, il va souvent dans la lave. C'est pas la tête. Bah, tu utilises ton arme à distance, tu utilises ton gueule. Ouais, mais ça fait vachement de dégâts. Et en plus, à cause de ça, j'ai perdu ma chose. Ah bah y'a le chiou qui vient de péter les roustons là. Bah il va jouer à des morts. Ah oui. Ça ah, il arrive au bon moment. Il a fait la queue. Ah et je crois qu'il y a un deuxième qui arrive. Ah non c'est bon. Il y en a deux hein. Oui oui mais il est au bout l'autre. Ah putain de bretzel de merde. Faut t'arrêter. Leave this to me and my heart. Attends que Shio trouve la fonction, je te mets Turbo 3 et c'est bien. Oh putain, bon j'aurais perdu ma furie. Allez hop. Shio peut te la remettre hein.
Clio elle est cool pour ça parce qu'elle peut te la remettre. Mais là, je l'avais compris, pas de voix, ouais. Un mois. Un mois. Ouais. Il faut aller chercher. Merci. Ça coule, c'est mis devant. Do not miss. Can you hear it searing through? Screaming through. Ah, c'est moi qui fais le GPS, hein. D'accord. Bah, et Tom il doit beaucoup aimer les Tales of. Oh ça. Oh je me souviens quand je les stream. Oh là là, mais c'était un vrai bordel, il parlait tout le temps. Oh. Ah, Tales of, oui, c'est très bavard. Quand même. Ouais, oh, j'ai dû modifier je sais pas combien de fois les paramètres sur le jeu pendant le stream, pendant toute la durée du let's play. Oh putain. Oh. Ah bah c'est Bandai Namco hein. Pour les deux hein. Oui, en plus, c'est vrai. C'est peut-être même fait par le même studio en plus. Donc, Bah, c'est le même studio qu'a fait God Eater et Tales of. Ouais, non, éditeur, oui, mais studio, je sais pas c'est qui. Les studios internes. Je regarderai. Si j'ai 2 minutes, je regarderai. Bah même la preuve dans Tales of Besseria, Zestiria, pardon, pas Besseria, Zestiria, tu peux être habillé en trois personnages de God Eater 2. Ouais, c'est un jeu du même éditeur, donc oui, forcément. Et t'as même le thème de fin. J'avais dit une connerie, mais bon. Oh, tu peux la sortir ta connerie, vas-y. Dans FF15, tu peux te transformer en Six. Enfin, en lama dégueulasse. En lama dégueulasse. En lama dégueulasse. Oui, mais pourtant, c'est pas la même. C'est pas la même boîte, hein. Oui, mais FF15, c'est se prostituer un peu partout. Hein. T'as même du FF15 dans Assassin's Creed. Origin. Oui, Origin. Oui, mais dans Origin, t'as aussi le chocobo dromadaire. Ouais, le chocobo dégueulasse. Parce que. Il est vraiment dégueulasse le truc. Je l'ai regardé. J'ai fait plus jamais. Allez hop. Bah, c'est peut-être la même team, hein, ça, je ne sais pas. C'est possible, hein. C'est possible. C'est possible, hein, Zelda. Oh, il est tout de suite matra là. Intéressant, ce que j'ai eu. Écraser la sauvegarde. Donner sauvegarder. Ah bah, y a pas de cinématique. Mais attends. Si, y a Tetibari. Même pas, on l'a. Non, on n'a pas le temps. Je fais ça. Non, mais tu fermes pas le jeu, j'ai un truc à faire avant. Non. Oh ouais, je regarde juste le monstre qu'on a après. C'est un quadriga déchu. Quadriga déchu.
Ouais, Cotiter, Tom dit que Cotiter c'est shift moins et Tales of c'est très crescendo. Non, mais ils sont tous les deux édités par Oui, mais par bon, Konami. à ce niveau-là, The Witcher aussi c'est pas Namco, hein. Pourquoi The Witcher, The Bandai Namco? Bah, The Witcher c'est édité par Namco Bandai. C'est pour ça qu'il y D'où a Geralt Scooby-Doo là? dedans. Quoi? Goditeur a été édité par Bandai Namco. Non. Oui? Bah quand Non. C'est des projects, hein, The Witcher. tu... C'est des pro... Mais c'est qui édite le jeu qui édite le jeu? Pas qu'en Europe, en fait, si. C'est bah tu regarderas, hein, mais je sais que en tout cas The Witcher 2 et The Witcher 1 a été édité par Bandai Namco. Le 3, je suis pas sûr, mais je sais que le 1 et le 2, voilà. Donc le 3, ça doit être la même. Je suis pas sûr à 100%, donc je le dis pas. C'est comme les jeux Sega qui sont édités en France par Koch Media. En France. En tout cas, je sais qu'en France, c'est édité par Koch Media. C'est que ça, un éditeur, c'est quelqu'un qui fabrique les jeux, qui fabrique les boîtes, les jeux, tout comme ça. Qui appartient à un soutien financier aussi. Bon, attends. Il y a une différence entre développeur et éditeur. Ouais, attends. Hein? Tu me laisses terminer ça et... Ah mince. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est juste que. Justement. Oui, c'est vrai que j'avais pas compris que le moins c'était pour séparer. Bon, attends. Non, tu regarderas que je suis sûr que y a deux jeux The Witcher qui a été édité par Bonai, par machin. Bah attends, de toute façon je vais regarder, hein. The Witcher. Bandai Namco. Ouais. Le 3 a été édité par Bandai Namco, Bandai Namco en Baisse le Europe. volume, Albert! Déjà, Ah. baisse le volume quand tu parles, t'es pas obligé de crier. Bien dire que je suis à Le moitié sourde, baisse le volume. The Witcher 3 a été édité par Bandai Namco en Europe, Warner Bros. Game en Amérique du Nord et Speak, je sais pas, Sean Soft au Japon. C'est un bordel juridique en fait. Si, le 2 et le 1, si aussi. Si, le Et 2, vous si. tapez pas sur le coin de la tronche, merci. Oui. Pas envie d'avoir du sang partout, j'ai pas envie de nettoyer. The Witcher 2, éditeur. Même pas jouer. Oui, bon, Namco toujours. Est-ce qu'on bat Dark Toujours bon, Souls? Namco. DBZ, seulement tap. Naruto. Hesperia. Je crois que même le studio, même le jeu Cyberpunk est édité aussi par sera édité par Namco Bandai. Je crois même que c'est. Ah non, on dirait pas. Non. Ah si, distribue. Il sera distribué par Bandai Namco en Europe. De toute façon, dans l'état actuel des choses, ça change pas. Que ça soit Goditeur, Soul Calibur ou Tekken, c'est tout chez Bandai Namco.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a ce gars Gérald dans Soul Calibur, hein. C'est parce que ils ont déjà Alors, on va dire explique-moi pourquoi il y a 2B dans Soul Calibur. Bon, ça c'est un partenariat, c'est encore autre chose. Mais Gérald de Rive, c'était assez facile à avoir les droits en fait, parce que ils ont quand même pas mal de relations avec CD Projekt. Oui, mais Donc, d'accord, ils ont édité certains jeux de Witcher. Je comprends, mais à la base, quand ils ont annoncé que Geralt était sur Soul Calibur, c'était pour un partenariat avec CD Projekt. Parce Oui, que. mais c'était. Il est Mais où? The Witcher 3 a été édité en Europe, enfin, en tout cas, ils ont distribué le jeu en Europe par Bandai Namco. Et The Witcher 3, ça date, hein, 2015. Hein. Alors, attention, roulement de tambour. Hein. J'ai Soul Calibur 6 dans les mains. Attention, je tape Oui. des gens avec. Non, c'est pas vrai. Alors, Guest Character, CD Projekt The Witcher, Geralt a été enregistré. Trademark sous le nom de CD Projekt. Hein. Le jeu The Witcher, CD Projekt, toujours CD Projekt. Tout droit réservé sur le jeu Soul Calibur 6 Bandai Namco Entertainment développé par Bandai Namco Studio, publié par Bandai Namco Entertainment Europe, distribué par Bandai Namco, enfin, etc., etc. Fait en Australie, tout droit réservé. Oui, et Mais donc. ça change pas, pour moi, il est toujours CD Projekt. Oui, il a été développé par CD Projekt, mais il a été édité par une autre boîte. C'est pas mal, il y a pas. En fait, entre l'édition, une édition, c'est grosso modo, il s'occupe Et sorti de la quand The pub, il Witcher s'occupe de 1, certains 1 et trucs. 2? En fait, du coup, un éditeur s'occupe de certains trucs, et le développeur, par contre, développe le jeu. Mais moi, la question, j'ai posé une question. Et il est sorti quand The Witcher 1 et The Witcher 2? The Witcher 1 en 2000. En 2000. Ouais, je sais plus exactement. 2000. 2006, 2007, je sais plus. Je sais plus exactement. Et The Witcher 2 était sorti sur Xbox 360. Sur console, et sur console, il était sorti que sur Xbox 360. Donc le premier édité par Atari de The Witcher 2007. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais bon. Bon, Atari est mort hein, d'ici là. Bah c'est toujours mieux que ce cher Shenmue, hein. Ah, ce jeu je De l'aime pas. quoi? Shenmue, ce jeu je l'aime pas. Oh, mon Dieu, c'est un jeu de merde. C'est Bâtard. lent, c'est nul. T'as le droit de ne pas aimer, après, bon, Non mais je le y a trouve des gens qui vachement aiment. lent, quoi. Bah oui, mais bon, ça n'empêche pas que c'est pas peut-être pas ton style de jeu. Il y a Non, il peut être ça plaît. intéressant, mais t'as vu comment il est. Enfin, t'as vu chez Sanou la remasterisation de Shenmue? Oui, bon, bah déjà, mais déjà, c'est un jeu d'une autre époque, c'est. Et le jeu, il a 20 ans, et là, il y a des jeux qui sont sortis il y a 20 ans. Regarde Crash Bandicoot. Mais c'est pas la même chose, Crash Bandicoot n'a pas. En fait, Crash Bandicoot, au final, on va dire que c'est un jeu qui n'est pas spécialement innovant. Et C'est un jeu. Spyro. Spyro n'est pas. Spyro, et encore Spyro, il est vraiment pas. Vraiment pas très agréable à jouer aujourd'hui. Hein. Il a vraiment vachement vieilli, hein, Spyro. Hein. Ouais, sur la Le version 2, déjà, le Wii. 2 et le 3 sont vachement plus agréables. Mais il y a des jeux qui vieillissent plus que d'autres, c'est logique, c'est. Voilà, c'est. Suis d'accord avec toi, Tom. Faut jouer à Yakuza parce que. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais des hiboux parce que vous êtes chouettes. Hein. Et puis, continuez à être vous-même. Ça, c'est cool. Puis, on se retrouvera soit demain pour peut-être la découverte de Smash Bros. Si je ne l'ai pas torché d'ici là. Hein? Ouais. Tu veux leur attendre sur eux d'ici là? Hein. Pas sûr. Hein? Ne laissez pas Smash Bros. Entre les mains. C'est tout. Et autrement, bah, la semaine prochaine, je dirais mercredi. Changement de programme pour mercredi. Ah. Je peux le faire en un bloc le stream. Ah. Enfin, si, il y aura toujours une micro-pause, mais je le ferai en un bloc. Oui, y a plus une pause d'une demi-heure, quoi. Non, il n'y aura pas la pause de la demi-heure, mais juste ce mercredi qui arrive. Ok. Puis après, pendant les vacances, je vais essayer de streamer un max parce que je devais aller à Lyon, j'y vais pas, je peux pas. Donc ça va être du stream pendant les vacances, pendant les 2 semaines.
Ok. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des épaules parce que vous êtes chouette. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut. À la prochaine.